Ah, Rukio, Chris, Rukio. Tu vois pas, on te laisse, t'as un gueule, moi. T'as un côté rêve, frérot. Tu fais même pas 30 euros par mois, t'insultes les gens, t'arrives même pas à faire 30 euros par mois. T'as 8000 followers, ça fait 2 ans. Tout ça pour ça. Arrête, frérot, va travailler, voilà, va sur le marché, tu fais mal à la tête aux gens. Motherfucker. Ah, les experts de Schleff, la CIA de Blida. Mais c'est pas parce que j'ai fait la top sur internet pendant un an, que j'ai fait des placements et que j'ai montré ma tête, que je suis forcément dans ce mood-là. Je dois acheter pour montrer, pour faire de la visibilité. J'ai rien à prouver. Si j'achète, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir personnel ou c'est des investissements. Mais au final, je sais où ça va. À la fin, j'ai rien à prouver. Je vais beaucoup mieux dans ma vie depuis que je ne me montre plus. Croyez-moi. Laissez croire que je suis tapis, que j'ai rien, que je me fais frapper, que je suis interdit de Paris. Tous les 3 mois, je viens à Paris, je reste un mois. Bon, bref. Voilà. Laissez-les croire, moi, tout va mieux, ça m'enlève du mauvais oeil. Tu t'exposes trop, après, t'es mort. Je les vois, moi, sur Internet. La plupart des gens qui s'exposent, ils sont morts, ils sont jamais heureux dans leur vie. Donc, laissez-les croire, c'est bien. C'est Marico. Ah, Rukio, Chris, Rukio. Tu vois pas, on te laisse, t'as un gueule, moi. T'as un côté rêve, frérot. Tu fais même pas 30 euros par mois, t'insultes les gens, t'arrives même pas à faire 30 euros par mois. T'as 8000 followers, ça fait 2 ans. Tout ça pour ça. Arrête, frérot, va travailler, voilà, va sur le marché, tu fais mal à la tête aux gens. Trop du